L'établissement français du sang a mis en place son dispositif estival de collecte ce mardi. Habituellement, seul un bus par semaine vient à la rencontre des donneurs boulevard Béranger à Tours. Mais tout l'été, il y en aura deux, un le mardi et un le jeudi, de 13h à 19h. L'objectif, aller au plus près des Tourangeaux pour les mobiliser en période de vacances. Peut-être aussi, ce ne sont pas forcément des donneurs habituels, donc c'est toujours intéressant de toucher de nouvelles personnes, le plus possible de jeunes, parce qu'on sait qu'après ils donneront plus longtemps. Et c'est vrai que je ne vois pas du tout les mêmes donneurs que dans d'autres collectes. En Indre-et-Loire, 500 dons de sang par semaine sont nécessaires pour couvrir les besoins. Alors, en période de vacances, comme les donneurs partent souvent à la plage, le but est aussi de profiter de leur temps libre pour recruter. J'étais parti en fait voir une personne juste à côté et j'en ai profité. Je suis passé devant le camion et puis je me suis dit bah au retour je m'arrête. Bah, je passe devant tous les jours, puis c'est vrai que enfin, dans l'année j'ai pas le temps de m'arrêter. Là c'est les vacances donc j'en profite. Et puis bah, c'est pas contraignant du tout donc j'ai le temps, ça me gêne pas. Pour retrouver tous les points de collecte de cet été, rendez-vous sur le site internet du Don du Sang, mais aussi par téléphone afin de connaître celui qui est le plus proche de chez vous.